Je crois que aujourd'hui, la politique prend le dessus sur la science. C'est un vaste débat. Mais au nom de la politique, au nom de l'harmonie sociale, etc., on crée des tabous, on crée des censures de toutes sortes. Il y a des tas de sujets qu'on n'a pas le droit d'aborder, on n'a pas le droit de traiter. Et il est un fait que c'est un obstacle majeur, un obstacle épistémologique, pour la recherche scientifique. Il y a des tas de domaines qui risquent d'être en friche, qu'on rejette au nom de la politique, que ce soit d'ailleurs à droite ou à gauche. On ne doit plus aborder ces questions-là, on ne doit pas faire de recherche dans ce domaine-là, on ne doit pas écrire d'articles sur ce sujet, on ne doit pas parler de ce sujet. Et ça va créer une sorte de sous-développement des sciences sociales et des sciences humaines évident. Actuellement, nous avons une politique anti-sciences sociales. C'est évident. Alors, qui va, bien entendu, s'occuper de certains aspects de la société, mais justement pour bloquer tout un ensemble de recherches qui peuvent exister dans ce sujet, dans ce domaine-là. Et je trouve ça extrêmement regrettable. Bien évidemment, il y a aussi un autre problème qui est celui du préjugé anti-astrologique dans le milieu scientifique, qui vous répondent que ce n'est pas de la science, etc. Et ça aussi, il faudrait peut-être quand même y réfléchir. Avant de dire que quelque chose n'est pas scientifique, peut-être repenser la question très sérieusement, parce qu'on est un petit peu fatigué de ce genre d'expression, c'est pas prouvé, etc. C'est des gens qui connaissent rien à l'épistémologie, à la recherche scientifique, et qui se permettent de dire que c'est pas prouvé, et que c'est pas prouvable, parce que ce soit pas prouvé, ça c'est possible. Hein, on peut très bien dire que les travaux actuels ne sont pas satisfaisants. Mais que ce n'est pas prouvable, que ça ne peut pas exister, parce que ça va plus loin que ça. Il faudrait se demander aux gens qui disent ça, est-ce que vous pensez que ce n'est pas prouvé, ou est-ce que vous pensez que ça ne pourra pas être prouvé? Toute la question est là.